Ce résumé vous est présenté par Hôtel.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Caissier, ballon repris dans ses pieds, Coquet pour aller trouver Suarez. Ah, on ne s'est pas compris. C'est Tomori qui relance le Milan AC. Et ça, c'est intéressant. Pas de position de hors-jeu pour Rebic. Et l'ouverture du score qui passe. Ça passe juste à côté, mais bravo encore à Yann Oblak. Hein. On connaît sa grande qualité. Mais regardez, perte de balle de Suarez qui ne se bat pas. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Rebic, donc, qui avait cadré, me semble-t-il. Très bonne intervention de Black. Et Milan AC reprend possession du ballon. Caissier le centre est pas mal au second poteau. Un peu trop aérien pour Rebic en tous les cas. Diaz le récupère. Diaz face à Coquet. Diaz qui va tout faire tout seul. Le petit ballon pour Caissier qui frappe et qui marque. 19 minutes de jeu. Le Milan AC qui passe devant. Léo. La petite pépite portugaise du Sporting. Et bien voilà. Il y a quelques instants, Rebic a failli ouvrir le score. Oblak, superbe intervention. Et Léo lance le Milan AC ce soir dans ce match tellement important dans ce groupe. Ce premier match à domicile pour le Milan AC. Intervention fautive et un carton qui va être sorti. Et c'est le deuxième. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, c'est catastrophique. Deuxième carton jaune pour Caissier. Ou c'est la rouge directe. Alors, que s'est-il passé exactement? En tous les cas, l'arbitre turc a sorti. Oui, effectivement, c'est la deuxième jaune hein, pour Caissier. Léo. Oh, la reprise. Elle est magnifique. Sur la barre. Quelle reprise acrobatique. Incroyable, il y avait une position de hors-jeu signalée, mais le geste instinctif, magnifique, de la part de Léo. Llorente, qui demande à Correa de centrer, et Suarez, premier ballon. Non, c'était Hermoso qui était monté, ou c'était Félix qui a repris ce ballon. C'est allé tellement vite. En tous les cas, là, voici la première possibilité, Correa pour le centre. Ah, c'était bien Suarez, hein, il me semble. Hein. Ça, c'est un bon centre de João Félix, c'est lui Suarez. Quelle possibilité. Il avait frappé tout à l'heure là en première intention, demi-volée cette fois de la tête. Thomas Lemar, il n'est pas mauvais ce ballon, la belle remise de la tête de Lodi. Et hop là. Et c'est Griezmann qui vient refroidir San Siro. 83e minute de jeu. Et ben, je vous disais que ça allait être compliqué de résister jusqu'au bout. Et il enfin, il débloque son petit compteur personnel. Bah oui, il n'y croyait plus, les supporters colchoneros. Ils en veulent encore, les Milanais. Ils en ont encore un petit peu sous la pédale. Ah, ce but de Griezmann, évidemment, important. Attention, là, Lodi qui se loupe un petit peu. Oups là! Le tir qui passe juste à côté, c'est Florenzi qui a tenté cela. Ouais, légèrement de l'extérieur et il y a eu une belle petite frayeur là pour Yann Oblak. Attention à ce ballon ici pour Suarez avec Correa. C'est encore une fois bien défendu mais c'est repoussé dans les pieds adverses avec Lemar. On réclame une faute de main, pénalty. Et oui, il y a pénalty, incroyable, incroyable, 3 minutes de temps additionnel.
Alors oui, il y a effectivement, mais Lemar touche aussi ce ballon, mais effectivement Kalulu le touche d'abord, je pense, oui. Bah, il n'y a pas de doute possible. Hein. Ah, dommage, il venait vraiment de faire une excellente intervention, l'ancien Lyonnais. Fixe le ballon, Luis Suarez. Suarez, Maignan qui aura le dernier mot. Hop là, et là la Panenka presque loupée, mais il la met en plein milieu. Cette balle, Maignan a choisi à côté. Et donc l'Atlético va finir par s'imposer à la toute dernière seconde. Quel coup du sort véritablement. Ce résumé vous a été présenté par Hotel.com et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.